Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Le festival Ouvre la Voie concilie musique et vélo, un premier focus tout en mollet et convivialité. Pour notre rubrique Vue, Lydie Palaric est partie à la rencontre des habitants de la Haute-Lande. Rendez-vous au bout du monde avec l'accordéoniste Fred Langlais. Vincent Olinet fait partie de ces artistes d'art contemporain qui font du bien. En témoignent ses réalisations dans deux châteaux de Dordogne. Dans la rubrique Lu, l'album Guingouin, un chef de maquis promet une rencontre avec une figure de la résistance limousine. Quand la photo se fait documentaire, cela donne Bar Objectif, une pépite dédiée au photojournalisme, et c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Sur les pistes cyclables de l'Entre-deux-Mers, le festival Ouvre la Voie fait se rencontrer musique et vélo. Entre Sauveterre de Guyenne et Créon, les 25 km sont l'occasion d'étapes sportives, gourmandes et musicales. Et tout le monde est arrivé là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, impec. Là, on est à Sauveterre et donc c'est le petit déjeuner. C'est le tout début de la journée. Il est pas encore 10h. On va partir à 10h pour la première étape. Je crois que la première étape, c'est Saint-Brice. Il va y avoir un concert dans une église. On va lancer le truc, là, si vous voulez. Messieurs, dames, on va procéder au lancement de la 16e édition d'Ouvre la Voie. On s'arrête à l'église de Saint-Brice, où nous attend Rodolphe Berger, ex-chanteur de Catonoma et guitariste. Bon, vous connaissez tous, évidemment. Ouvre la Voie, c'est un festival itinérant, d'abord. Sur une piste qui se déroule sur une piste cyclable qui avant d'être cyclable a été ferrée. Bon, il n'y a que 25 km à faire en je sais pas 12 heures quoi, donc vraiment il faut avoir peu de volonté pour ne pas y arriver. Il y a de la musique, il y a de la gastronomie, il y a des produits locaux, c'est aussi donc du patrimoine matériel et immatériel, le paysage, tout ça, magnifique, c'est ma région. Après les 5 premiers kilomètres, les sportifs sont récompensés par un concert rare de Rodolphe Burger. Quand je suis arrivé une heure avant, il y avait déjà des gens qui visiblement attendaient que je joue dans la région depuis un bon moment, qui me suivent depuis Catonoma, etc. Et puis un public, il y avait des familles, des enfants. C'est un public très mélangé au fond. Ça aussi c'est assez plaisant, je trouve. Je suis comme fané. Squelette éparpillé. Mon cœur est en cire. En fusion dans mon corps. Je suis sec. Petit morceau d'argile. Force perdue. Désert en un instant. Ça a été un moment magique, merveilleux. Je m'attendais à beaucoup de beauté, mais c'est encore plus grandiose. Le lieu était fantastique. Et Rodolphe Burger, dans cet endroit merveilleux, nous a donné cette beauté qui sait transmettre et qui me fait beaucoup de bien, qui fait beaucoup de bien aux gens. On est enchantés, je crois que tout le monde est très heureux. C'était très sympa, l'ambiance dans l'église, c'est vraiment cool parce que du coup, il y a la différence entre l'ambiance de la musique qui n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on peut attendre à l'église. Donc le mélange des genres, c'était vraiment agréable. Suite du périple et pause gourmande à Frontenac, en compagnie du groupe de pop britannique Lesh. Les concerts sont choisis effectivement en fonction des lieux. Quand c'est des pique-niques, comme ici à Frontenac, c'est plus cool effectivement.
C'est pas évident peut-être pour les musiciens aussi de se retrouver à jouer devant des gens qui mangent. Le public en plus c'est pas celui des salles quoi, ils viennent pas forcément pour ça. Et donc ils se retrouvent devant des groupes qu'ils vont découvrir, qu'ils connaissent pas. Et ça moi je trouve que c'est ça la vraie action culturelle quoi. Le concert était vraiment sympa et les repas aussi c'était très bon. Côté vélo, après manger, c'est vrai que c'était pas facile de repartir. Mais bon, c'est tellement beau, en plus la piste est ombragée donc c'est quand même très agréable. À l'ancienne gare d'Espiers, les cyclistes font une pause salutaire pendant que les trois frères du groupe rennais Bops distillent leurs mélodies entêtantes. Dans ce festival, il y a l'idée de faire territoire. Là, on va s'attacher à ce qu'il y ait de plus en plus de relations durables tout au long de l'année avec les gens du territoire, parce que là, effectivement, tout le monde va vers la ville, c'est un truc mondial. Mais il n'est pas dit qu'un jour, au regard des économies d'énergie qu'on va être obligé de faire de toute façon, les gens ne reviennent pas vers la campagne aussi. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Intéressé de longue date par la théâtralisation de la vie quotidienne, Lydie Palaric s'est penchée sur les habitants de la Haute-Lande, ceux venus d'ailleurs, et que la vie, le travail ou l'amour ont amené à s'installer au cœur de cette immense forêt. Lors d'une résidence de création à la Maison de la photographie des Landes, la jeune femme a rencontré une trentaine de personnes venues du Maroc, de Chine, du Japon, des États-Unis ou tout simplement d'autres régions de France. Tous ont partagé avec elle un peu de ce territoire qu'ils ont adopté et qui les a adoptés. Elle a écouté et enregistré leurs récits singuliers, chez eux, dans leur environnement familier, puis, au moment où ils se sentaient prêts, les a photographiés. Des portraits émouvants ou décalés, sérieux ou espiègles. Il y a Chloé, une jeune femme qui tient le cercle de Luxeuil et dont Lydie admire la force. Il y a Aldine et Armenio, ce couple de Portugais heureux au mariage arrangé par la famille. Et cet autre couple, elle japonaise, lui allemand, qui se sont rencontrés à New York avant de s'installer dans les Landes, parce que lui y avait passé des vacances enfant et en gardait un souvenir ébloui. Tous disent être bien dans la forêt, dans ce cadre idyllique proche de l'océan, à la croisée des chemins, ou comment être d'ailleurs et d'ici tout à la fois. Depuis Lézignac-Durand, connexion immédiate avec une pointure internationale de l'accordéon. C'est vrai que l'accordéon, ça reste mon essence. Tout passe par l'accordéon, que ce soit mes compositions, mon état d'esprit, mon analyse de la musique. J'ai commencé l'accordéon avant de savoir lire et écrire, donc j'étais vraiment jeune. Et à 10 ans déjà, j'étais sur scène avec une troupe de jeunes accordéonistes qui s'appelait Les Petits Prodiges de l'accordéon, qui a été créé par Maurice Larchange, un accordéoniste célèbre des années 80-90. Et très rapidement, ces spectacles-là se sont étendus à toute l'Europe. Donc l'international, c'est une question qui ne s'est pas posée. Je n'ai pas souhaité y aller, je n'ai pas fait la démarche pour, ça s'est fait naturellement. Là, en ce moment, on est en train, justement, avec Télémusique, une société ancestrale de librairie musicale, de composer quelques airs justement pour les JO 2024. Donc évidemment, comme c'est à base d'accordéon, c'est très très intéressant. Alors avec mon épouse, Nathanaël Langlais bien sûr, nous avons créé il y a quelques années un duo accordéon et chant lyrique, puisqu'elle est chanteuse d'opéra. Quelque chose de très atypique, du coup ça n'existait pas, ça ne s'était pas fait. On a lancé le concept qui a très très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Je pense que, enfin j'en suis persuadé même, que notre vie à la campagne ici nous a apporté beaucoup pour nous-mêmes, vraiment intérieurement. On se retrouve aujourd'hui calme en toutes circonstances, détendu et très positif. En Dordogne, l'art contemporain investit les châteaux.
En résidence dans le département, Vincent Olinet a installé ses œuvres poétiques au château de Montbazillac et de Campagne. Ici, attendent de prendre vie un lit à baldaquin et un drôle de piano. Quand les Rives de l'Art m'ont invité à venir présenter le lit à baldaquin, on m'a aussi proposé d'inventer une nouvelle œuvre. Et je me suis dit, en fait, en réponse de ce lit, en réponse de ces matériaux qui sont très aériens, très volatiles, c'est des rideaux, c'est du rose pastel, c'est du bleu, c'est du doré, d'avoir quelque chose de très lourd. Et donc de vouloir utiliser des parpaings pour leur aspect brut et vraiment presque sans âme. Et pour mettre tout ça en œuvre, j'ai combiné ça à une autre idée, qui est l'idée du piano, et d'avoir un objet qui ne résonne pas, qui soit très lourd, qui soit fabriqué en parpaing, sur lequel on puisse y construire ses propres sons. Alors l'art contemporain, pourquoi ? Parce que l'art contemporain, ben, c'est difficile, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc. Ça suppose une démarche, j'y comprends rien, voilà, les poncifs. Donc voilà, on s'attache à faire en sorte de présenter des artistes et des travaux d'artistes qui peuvent toucher le grand public et j'ose espérer qu'au fil des années, il y a un certain nombre d'images qui se sont installées dans la tête des gens qui ont pu passer et voir les réalisations de nos artistes. Après campagne, cap sur Montbazillac, où Vincent Olinet est resté plusieurs semaines en résidence pour métamorphoser une des pièces du château. C'est vrai que le public qui va venir ici vient surtout pour voir le château de Montbazillac. Donc évidemment, il doit être interpellé par la création contemporaine ici. Je ne dirais pas que c'est une œuvre difficile d'approche. C'est plutôt justement assez accessible pour le grand public. Alors on se trouve dans la pièce principale sur laquelle j'ai posé le papier peint. Donc le papier peint a été assemblé directement sur les murs blancs. À la base, cette pièce est vide et blanche. Je suis vraiment reparti à la base du papier peint. Donc littéralement, j'ai peint sur du papier en y collant des fleurs. Pour répondre au papier peint, il y a le lustre qui se trouve à côté avec les fausses bougies et qui habille l'ensemble. Et pour la photo, c'est une photo tirée d'une œuvre qui avait été présentée uniquement le soir du vernissage, qui est en fait une œuvre en glace, donc qui est une performance qui est amenée à fondre. Et dont la seule trace qui reste de cette performance, c'est la photo qu'on voit, un verre en glace en train de fondre avec du Montbazillac dedans. Alors dans cette petite pièce, on se trouve face à une autre photo. Et là, j'avais vraiment envie de reprendre les codes de la publicité et d'en fabriquer un poster géant en fabriquant des petits coussins qui ont été posés de telle manière à ce qu'on pense qu'ils soient un groupe de visiteurs qui visitent le château. Cet endroit est l'endroit où tous les groupes se posent pour se prendre en photo. Tout le monde entre dans la salle d'exposition avec le sourire accroché. Et puis on réfléchit et puis on se rend compte que tout cela, ça a une vie, ça s'épanouit et puis ça s'effondre. En fait, Vincent nous raconte la vie, tout simplement. Il mange vite, avec des gestes précis, habitué déjà à ne rien laisser perdre, et sans doute pressé d'aller dormir dans la paille. Et soudain, je me rends compte que je les envie. Leur bataille et leur course dans le noir, comme je partageais leur jeu quand j'étais petite. J'en serais capable, j'en suis sûre, mais ils riraient, se moqueraient de moi. Pas de fille au maquis, dirait-il, c'est comme ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous? Sans moi, sans ma mère, pour se lever en pleine nuit, leur faire à manger, les accueillir et les soigner? Il paraît que certaines filles servent d'agents de liaison avec leur vélo. C'est injuste, personne ne se souviendra de nous, et pourtant. J'ai choisi Guingouin, un chef de maquis, de Yann Fastier, parce que c'est un livre qui nous permet de découvrir un héros de la résistance limousin, qu'on connaît ici de loin, on entend Guingouin, mais sans vraiment connaître son histoire. L'ouvrage en plus est particulièrement beau. Donc, il est paru en 2015 aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble. Alors en fait, l'auteur a travaillé avec la technologie de la linogravure. Il a gravé à chaque fois les illustrations, donc il y a eu plusieurs gravures pour chaque illustration en fonction des couleurs. Donc déjà, le travail comme ça est super intéressant.
En fait, le livre est composé de doubles pages. À chaque fois, sur la page de droite, vous avez une illustration. Et sur la page de gauche, un témoignage d'un personnage réel ou fictif qui a croisé Guingouin à un moment donné de sa vie et qui apporte un éclairage sur cette action de résistance dans les maquis. Donc c'est ça qui est très intéressant au niveau de la narration, c'est que c'est vraiment construit comme différents regards qui ne se croisent jamais vraiment, mais qui permettent de brosser le portrait du personnage. C'est important de découvrir ce bel album pour tout le monde, qu'on soit en Limousin ou au-delà, parce que c'est l'histoire d'un personnage emblématique de la Résistance. Et qu'on soit dans le maquis du Limousin, qu'on soit sur le plateau des Glières ou dans le Vercors, les résistants ont tous œuvré ensemble. D'ailleurs, on va les croiser dans ce livre, donc, et c'est notre grande histoire à tous. C'est dans le minuscule village de Barreau en Charente que se tient un festival entièrement dédié au photojournalisme. Reporters de guerre, photographes curieux du monde, amateurs éclairés y présentent leurs travaux. À Barreau Objectif, tout le monde est bénévole. C'est sans doute ce qui confère à ce festival un tel charme. C'est tellement grand Barreau qu'il y a trois rues. Et dans ces trois rues, eh bien, on arrive à loger des fois jusqu'à plus de 60 expos. Et avec des grands formats, des fois 2 mètres carrés. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on arrive par un axe et après, ça s'ouvre. On a un petit hangar, après on va voir l'église, après on va voir la place du village, après on va aller vers le lavoir, on va rentrer dans des houches chez des gens, on va aller dans des granges avec des chevaux. C'est un peu de l'image en scène. C'est pas forcément que de la photographie posée, parce qu'une photographie, elle a besoin de vivre. Si elle est dans des cadres, elle est fermée. Au joli barreau, de tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau. Les photographes viennent de partout dans le monde. Les photos s'étalent le long de la Charente. Les maisons du village sonnent de photos de Turquie et de Colombie, du Mexique, de Belgique. Au joli barreau, de tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau. 2 minutes, 3 minutes dans la salle. Projection débat avec Emine Haussmann de l'agence Magnum Photo. Donc la frite et la saucisse, vous la mangez rapidement et vous venez dans la salle, s'il vous plaît, pour une sacrée soirée. Bonsoir à tous et puis merci d'être au rendez-vous de cette 19e édition de Barreau Objectif. Emine, welcome to Barreau. Bienvenue Chloé. Voilà. Today, more than 100 journalists in jail behind the bars today in Turkey. And every day, I'm still living the fear that which day they will come to take me or arrest me. I have this fear because I worked on sensitive subjects. I did what I was believing to do. I showed what I was, what I had to show. I don't feel any doubt about it, but I feel this fear that anytime I can be behind off the bus like the other 100 journalists. I have been working in all around the world. I worked in Japan, I worked in Somalia, in Africa, Niger, Nigeria, in other parts of the world. But since 2011, I'm a little bit like occupied in my country with and covering the political tensions, the conflict, the violence, and it was not my choice. I was living in Turkey and all this war and conflict and everything came into my house. So I felt responsibility to cover it and to document it. Je
Généralement, l'invité d'honneur, c'est un photographe de guerre. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de choses à raconter. Parce que quand on fait des conférences, c'est magique quand ils vous racontent comment ils arrivent à ce niveau-là, quoi. Parce que ils risquent leur vie, donc il y a du respect à avoir. Et en même temps, voilà, c'est pour ça que Bar Objectif, c'est assez magique. Il peut y avoir un amateur qui expose des photos de cochons et un grand professionnel turc de la Junk Magnum qui monte des photos de guerre, quoi. Et ce mélange, ça fait Bar Objectif, ça fait une sorte de pinot ou de cognac à un goût unique, quoi, vous voyez. La ligne éditoriale, je dirais, où, c'est plutôt comme si on ouvrait un magazine. On va rechercher plutôt du reportage, mais on n'est pas limité au reportage. Il peut y avoir d'artistique aussi. Si vous voulez aller voir Maud Audouin, c'est maintenant. Elle va parler un petit peu sur son expo. Donc s'il y en a qui veulent la suivre, c'est maintenant. Devant la maison en bois, 100 mètres à droite. Bah bonjour à tous, bienvenue à mon exposition à l'Atelier des rêves. Le but un peu de la série, c'était surtout de pouvoir aborder le sujet du jeu et du rêve, parce que finalement, ça m'a beaucoup fait écho avec la jeunesse d'aujourd'hui qui finalement ne sait plus jouer, ne sait plus rêver et a besoin toujours de smartphones ou de tablettes ou de choses comme ça pour pouvoir se créer un univers. Voilà, nous il a un peu grandi depuis 2 ans. C'est plus un enfant, c'est un petit adolescent. Donc Noé n'était pas au courant en fait qu'il était exposé, on lui a fait la surprise. Donc il a découvert tout à l'heure ses photos. Il les avait déjà vues, mais pas dans ce contexte en tout cas. Donc, voilà. Merci Noé de participer à mon projet. En tant que membre du jury, notre mission donc était de sélectionner 20 sujets en fait, parmi 350 sujets environ qui avaient été envoyés et soumis au festival. On avait quand même dans le cahier des charges quelques petites obligations. Comme il y a un lieu d'exposition qui se situe dans la rivière, il fallait qu'il y ait un sujet qui ait un rapport avec l'eau. L'exposition qui est derrière moi est consacrée à un travail sur une croisière de luxe à thème. Et le thème, c'est le heavy metal. Vous avez 3000 plaisanciers à bord qui partent au large de Miami pour 5 jours en mer des Caraïbes. À bord, en fait, c'est un festival flottant. Vous avez 60 groupes qui jouent sur 5 scènes différentes. La plus grande, qui est en extérieur, sur le pont extérieur. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle a des jacuzzi devant. Donc on peut assister au concert les pieds dans l'eau, en maillot de bain. Un de mes grands coups de cœur cette année, je sais que c'est un sujet qui a été primé, qui a reçu un prix du diaporama sonore, qui a eu le prix Paris Match des jeunes talents aussi cette année. C'est le sujet sur les rugby women, les jeunes rugby women de Sarcelles. Voilà, je trouve que c'est un regard voilà, très intéressant sur la banlieue, qui permet de donner un regard très positif sur la banlieue et sur ces populations. Voilà, ces jeunes filles d'origine africaine voilà, qui s'en sortent et qui s'épanouissent par le sport. Le village de France est sûrement le plus beau. Nouvelle équipe a pris l'expo en charge. Les bénévoles sont toujours là, même si Simon Bernard. On patauge dans la flotte, on grimpe sur les murs. On fait tout pour bien fixer les photos aux structures. Au joli barreau, au joli barreau. De tous les villages de France, c'est sûrement le plus beau. Dans le prochain numéro de Champs Libres, focus sur le théâtre engagé et en langue basque des frères Fuchs. Dans notre rubrique Vue, plongée dans les Pyrénées au cœur d'une famille de bergers avec Nathalie Geoffrey de Calbiac. Le musicien béarnais Alain Laribé nous emmènera au bout du monde. Un stage de formation au rock pour les plus de 50 ans, Land Musique Amplifiée l'a fait. Dans la rubrique Lue, le roman noir, Le Domaine, de Jovitec, promet de beaux frissons au cœur de la lande girondine. Quand le Pays Basque se fait l'épicentre du spectacle de rue et le lieu de toutes les créations, cela donne Ameca, et c'est notre grand format.
Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.